c'est désormais une tradition. Chaque été, Julie Gayet et François Hollande posent leurs valises sur la presqu'île de Saint-Tropez, à Ramatuelle, petit coin de paradis pour les célébrités. Depuis 8 ans maintenant, le couple aime passer ses vacances dans le Var, où il loge dans une jolie maison, au pied du massif des Maures, dans la baie de Cavalaire, à l'entrée sud de la presqu'île de Saint-Tropez, plus précisément dans le village de la Croix-Valmer. Ce passage dans le sud de la France est l'occasion pour le couple de participer à la vie locale, et notamment au festival de Ramatuelle. Et ce dimanche 4 août, c'est côte à côte que Julie Gayet et François Hollande assistent au spectacle Simone Veil, Les combats d'une effrontée, donné dans le cadre de la 40e édition de cet événement culturel. Pour cette sortie placée sous le signe du théâtre et de la Dolce Vita, Julie Gayet rayonne dans une robe de soirée estivale. L'actrice de 52 ans fait sensation dans une création bleu marine sans manches. Un col arrondi sublime son port de tête tandis que des volants transparents mettent en valeur ses épaules dénudées et ajoutent une touche glamour à son allure. Un allure est sophistiqué sans être guindé. Glamour sans en faire trop, la création épurée est parfaite pour un look d'été, chic et élégant, de quoi briller durant une douce soirée d'été. Il y a plusieurs années, Julie Gayet accordait une interview à Version Femina, dans laquelle elle s'ouvrait sur son style vestimentaire. L'hebdomadaire rappelait qu'elle avait été classée parmi les femmes les mieux habillées par le magazine Elle, de quoi lui demander. Vous aimez la mode ? L'actrice répondait alors, « Je ne fais pas du shopping toute la journée et je ne lis pas non plus tout le temps les magazines. En revanche, j'aime aller voir les défilés. J'apprécie les stylistes et les vrais artistes, j'aime voir ce qui se fait. » Pour moi, c'est un moyen d'expression de plus. Saison après saison, Julie Gayet a souvent été vue en front row, des défilés de mode les plus prestigieux. À l'instar des maisons Hermès, Chanel, Ami ou encore Alexis Mabille. La jolie blonde n'a jamais manqué la Fashion Week de Paris, durant laquelle elle a toujours affiché des looks citadins et tendances. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo. N'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine.